c'est parti pour cette petite randonnée à Saint-Antonin-sur-le-Bayon. Le tour de l'Oppidum, 6 500 km je crois, avec 350 mètres de dénivelé. Et il a plu ce matin. Alors, on a récolté pour l'instant une partie du sentier noir, Garagaï. Ouais, c'est très joli. Joli, alors on a le ciel bleu avec quelques nuages juste derrière nous. Ouais, c'est nous, on avance dans le sens qui arrive. C'est prévu de se dégager. Ah, il y a trois sentiers ici. Donc on prend celui de gauche. Oh, c'est celui qui grimpe le plus pour l'instant. Oh. Ouais, c'est sûr qu'avec 6,5 km et 360 mètres de dénivelé, ça va grimper. Vu qu'il a plu un petit peu avant, préférable de faire quand même nettement plus attention. Alors, je ne sais pas si ta randonnée était facile, mais bon, moi je la mettrais au moins moyenne. Et certainement pas facile. Alors, s'il a plu, il faudra vous attendre quand même à pas mal de boue. Ouais, ça se dégage tout doucement. Nous, on va derrière. Alors, il y a quand même quelques grandes marches, enfin, les marches, façon de parler. En plus, quand c'est boueux, ça devient tout de suite beaucoup moins facile. Alors, des marches, genre 50 cm. Donc, c'est certainement pas facile. Ah, et puis là, on voit. Bon, allez, ça va, mais bon. Ça grimpe. Alors, il y a pas mal de chemin là. Ah, refuge Cézanne, c'est sur la droite là. Refuge Bodino sur la gauche. Et nous, on va à l'Oppidum Untinos. Ouais, c'est juste un petit aller-retour. Ouais, je crois que j'ai vu quelque chose qui ressemble, je pense, à un vestige juste derrière moi. Et à mon avis, je pense qu'on va trouver. Hop, on devrait aller là-bas. Le chemin aller-retour, il est tout petit de chez petit. Ah, on a une plus belle vue, à plus de recul, disons.
inquiétez pas, dégagez tout à l'heure. Je crois que c'est la croix de Provence. C'est super bien dégagé derrière, même devant, pas au loin hein, forcément. Et on a une très belle vue avec la croix de Provence. Alors nous on va par là, mais en fait il y a des sacrées barres rocheuses en contrebas. Et puis ça tombe bien. Voilà, la croix de Provence elle est derrière.
tout en haut là, qui s'est perdu. Il me semble qu'on va sur le refuge Cézanne. Alors c'était balisage blanc et rouge, alors on va pas là, si je ne m'abuse, c'est plutôt là-bas. Ah non, il y a une croix. Bon, je vais revérifier. J'ai trouvé l'info sur mon téléphone que le refuge Cézanne était sur la droite. Donc soit je fais un aller-retour, soit je vais faire... je vais descendre du refuge, si c'est possible. Alors, en rallongeant un petit peu, je découvre ceci. On verrait peut-être dans contrebas. Si on avait suivi la randonnée, là, c'est direction le refuge Cézanne. Et ils avaient planté aussi une autre croix qui était tout en haut. Il est quand même encore dans un état acceptable. Et là, sur la droite, il y a des escaliers. Je ne sais pas si c'est par là que je descends. Et là, c'est la belle vue. Alors, petit 360, on est sur juste derrière le refuge qui est ici, les tables de camping derrière, sur cette grande terre, la croix de Provence, et juste en face de nous.
Ah, ça aurait été bête de ne pas faire cette bifurcation jusqu'au refuge et puis la chapelle du trou, parce qu'on a vraiment une superbe vue avec un très joli soleil en plus. Et ici, ça donne quoi? Donc je vais... Ah, c'est joli! Je vais rattraper le chemin d'ici moins de 100 mètres. Alors c'était une très belle randonnée, donc là on est dans la partie finale, on a pris le tracé rouge, on pouvait descendre par là, enfin il y a plusieurs raccourcis, et ce qui était bien c'est qu'il y avait pas mal de points d'intérêt tout le long de la randonnée, que ce soit au niveau des vues ou des croix. Et la première partie qui est peut-être un petit peu moyenne plus parce que ça monte quand même sec. Ah ouais, attends, on a une super vue.